Oula, c'est entrée maritime ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous. Et bon jeudi, un jeudi qui commence dans la douceur avec 10 degrés dans l'air, un bon 15 degrés dans l'eau, un ciel qui est couvert à pluvieux, une marée qui descend. Le plein bas est à 12h40, les coefficients sont de 76. Sur cette descendante, le vent est onshore avec un secteur ouest-sud-ouest modéré à soutenu. C'est le retour des clapots et des moutons ce matin sur le plan d'eau déjà bien réveillé, alors que la houle, elle est très mal réveillée. Une houle longue de 10 secondes de période orientée ouest-nord-ouest à nord-ouest, elle n'est pas jolie. Ce matin, elle est à la hausse, elle n'est pas énorme. Il y a 50-70 cm en déferlement régulier. Et sur les séries que vous voyez là, il y a 80 cm à 1 cm. C'est moche, c'est tordu, c'est pas joli. Et pourtant, c'est le meilleur moment de la journée. Car l'évolution pour le reste de la journée nous donne un train de houle qui va grossir gentiment à la mi-journée. La bouée Arcachon-Gascogne est gentiment à la hausse à 1,35 secondes. On attend une hausse plus marquée en soirée. La bouée Brest est nettement à la hausse en ce moment à 3,10 m et 7 secondes. Et ce qui est du vent, il va se renforcer au sud-ouest. On attend du vent fort pour cet après-midi et ce soir. Attention au coup de vent. Les prévisions à 13h, on devrait grossir vers 1 mètre à un petit mètre 20. Ou l'ouest nord-ouest à nord-ouest, 16 secondes de période. Vent ouest-sud-ouest, 6 à 7 Beaufort. Et à 17h, on devrait atteindre 1 mètre 80. Ou l'ouest nord-ouest à nord-ouest, 15 secondes de période. Vent de sud-ouest, 7 à 8 Beaufort. Autant dire que le surf, ça va pas être gagné. Attention au coup de vent cet après-midi et ce soir. Prochain point. 11h30.